Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à nous suivre en direct ainsi qu'en différé. Nous n'allons pas tarder à commencer notre conférence sur la thématique de réussir ses cultures, les paroles s'envolent, les légumes restent, la première partie concernant les légumes vivaces. Je vous rappelle qu'il est possible tout au long de cette conférence de poser vos questions en direct via l'onglet du chat en direct. Il vous est également possible, si vous regardez cette vidéo en différé, de poser vos questions dans l'espace commentaire ou à l'adresse courrier électronique qui s'affichera à la fin de la conférence. Sachez que si vous désirez ne manquer aucune de nos prochaines publications vidéo, conférences ou autres, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir une notification à chaque publication ainsi qu'avant chaque conférence. N'hésitez pas, si la conférence vous intéresse ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par cette conférence, à la partager. Vous pouvez encore le faire maintenant sur les réseaux sociaux ou autres, ou à la partager, afin que d'autres puissent la regarder également en différé. Sachez également qu'il reste de la place pour de nombreux bains de nature. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre directement sur l'adresse des cercles des naturalistes de Belgique afin de voir quels sont les euh, bains de nature qui sont encore disponibles. N'hésitez pas, ce sont des activités qui, valent, qui en valent la peine, qui valent également le détour. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur... site qui s'affiche sur votre écran. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà donc aujourd'hui nous allons donc nous intéresser aux légumes vivaces, qu'il ne faut surtout pas confondre avec euh, les euh, légumes qui sont eux perpétuels, qui seront l'objet de deux autres conférences euh, qui euh, suivront les, la conférence cette semaine-ci ainsi que de la semaine prochaine. Euh, N'oubliez pas que euh, vous pouvez également... Euh, si la conférence vous a plu, mettre un petit j'aime, cela rend la vidéo plus visible via euh, l'algorithme YouTube et nous permettra ainsi de mieux nous faire euh, connaître. Donc sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer à nous intéresser donc, aux légumes vivaces. Donc les légumes vivaces, on peut se poser effectivement et s'interroger sur ce qu'est finalement donc un euh, légume vivace. C'est eh bien la définition d'un légume vivace. C'est donc en fait au départ une plante qui elle-même est vivace et donc un légume qui va se renouveler de lui-même d'année en année, euh, produisant en continu finalement sur la plante euh, différentes parties qui peuvent être consommées. Donc c'est une plante avant tout qui est vivace, qui est pérenne, c'est-à-dire qui va rester en place euh, pendant de nombreuses années. Il faut donc bien faire attention au choix quant à l'installation d'un tel légume, à ses répondre également à ses besoins et veiller surtout à ne pas appauvrir le substrat sur lequel le légume serait cultivé. Donc c'est pour cela qu'il est intéressant de connaître les besoins basiques de ces différents légumes et nous les évoquerons ensemble. Alors bien évidemment, on utilise rarement le légume entier, en général, on utilise plutôt une partie de celui-ci. Vous voyez ici le même chou à quelques mois d'intervalle. Eh bien, le chou va être laissé, bien évidemment, sans que l'on consomme par exemple son système racinaire ou ses tiges, mais plutôt, par exemple, ses, ses feuilles. D'autres légumes, on consommera une partie des racines, ou une partie des tiges, ou une partie des fleurs, par exemple, puisqu'il existe également des légumes fleurs. L'avantage du légume est que, étant issu d'espèces indigènes, voire même bien souvent également d'espèces sauvages, que l'on retrouve donc dans les milieux naturels, et c'est pour cela que pas mal de euh, plantes que nous avons évoquées lors de nos deux précédentes conférences euh, sur les plantes sauvages euh, comestibles, conférences que vous pouvez bien évidemment toujours retrouver sur notre chaîne, et eh bien ces plantes sauvages sont parfois ou étaient anciennement considérées comme des légumes, légumes qui étaient alors bien souvent vivaces ou pérennes, voire même euh, dans certains cas, perpétuel. Un légume perpétuel se distingue d'un légume vivace par le fait que ce légume perpétuel se perpétue d'année en année sur votre zone cultivée, mais euh, il va bien souvent, pour se perpétuer, utiliser un appareil reproducteur sexué, donc produire des graines, et il se ressème donc continuellement. Et d'année en année, sans que vous ayez besoin d'intervenir, contrairement aux légumes vivaces qui lui restent en place pendant de nombreuses années et va aussi parfois se ressemer et va alors présenter un caractère qui peut s'avérer être quelque peu envahissant, donc il va falloir le contrôler, contrôler les populations. Ce caractère étant encore plus marqué sur les légumes dits, donc non pas euh, vivaces, mais plutôt perpétuels. Souvent, ce sont des plantes, puisqu'elles sont indigènes, puisqu'elles sont ubiquites, puisqu'elles sont vivaces, qui vont être moins difficiles que les légumes annuels. Donc moins exigeantes au niveau du, du milieu, mais développant alors un système racinaire beaucoup plus important. On va commencer par la première catégorie de légumes vivaces. Ce sont les vivaces dont on va consommer les, les feuilles. Donc on parlera de légumes de vivaces feuilles. Alors, les légumes feuilles, en fait, ils se classent en une grande, au sein d'une grande diversité de plantes. On retrouve notamment une multitude de choux pak choy, chou blanc, rouge, chinois, choux de Milan, chou de Bruxelles, chou frisé). Vous retrouvez également les laitues de différentes variétés, des plantes comme les épinards, les bêtes, les roquettes, la mâche, les moutardes, la roche, la clétonne ou encore la, les chicorées. Donc, le trait commun de ces légumes est que l'on va consommer euh, en général les feuilles, mais aussi les nervures. La nervure de ces feuilles porte le joli nom de cardes. Vous connaissez peut-être cette appellation pour les bêtes, par exemple, ou blettes, ou encore poirées, pour euh, nos amis français qui nous suivent. Donc, bien évidemment. Tous ces légumes, toutes ces plantes, sont assez euh, connues, euh, assez fréquemment. Il faut savoir que dans les légumes feuilles, vous avez également des légumes dont on consomme les fans et qui, bien souvent, à l'origine, n'étaient d'ailleurs cultivés pour leurs fans et non pour leurs racines ou pour leurs tiges, par exemple. Dans cette catégorie de légumes feuilles, certains vont également y intégrer les fines herbes, puisque des plantes comme le basilic, le persil ou la coriandre sont consommées pour leurs euh, pour leur feuillage vous avez également tous ces légumes qu'on consomme en salade la plupart du temps ces salades sont des salades justement de feuilles de plantes dans lesquelles on retrouve l'endive ou chicon, les cressons, la laitue, la mâche, etc le trait commun de tous ces légumes feuilles est leur exigence en azote, beaucoup d'azote beaucoup de fer, beaucoup de magnésium ce sont des plantes qui vont très vite manifester des chloroses sphériques ou magnésiennes d'ailleurs se traduisant par un blanchissement du feuillage lorsque les nutriments viennent à manquer. Donc il faut bien souvent leur amener pas mal euh, de nutriments, pas mal de, euh, de nourriture. Et c'est pour cela que justement un hein, des engrais liquides les plus faciles à produire soi-même mais qui répond le mieux aux besoins euh, est euh, justement dans ce cas de figure le purin d'ortie. Donc le purin d'ortie, c'est vraiment votre allié dans la culture des légumes feuilles, puisqu'il va répondre aux exigences en azote particulièrement, mais également en fer et en magnésium. Alors pour savoir comment faire son purin d'ortie, je vous invite à consulter nos conférences précédentes, puisque cette thématique a déjà été abordée à plusieurs reprises. Faites attention à la sensibilité de ces légumes, il faut faire attention aux phylophages, donc tout ce qui consomme des feuilles, chenilles, limaces, gastéropodes en général mais également des maladies cryptogamiques, donc champignons ou autres, qui vont induire des rouilles ou de l'oïdium, ces maladies étant souvent euh, occasionnées par un excès d'humidité. Donc pour se prémunir de ce genre de problème, euh, limitez les excès d'humidité, veillez à bien pailler autour de ces plantes, notamment pour que l'humidité atmosphérique ne soit pas trop élevée. Humidité plus chaleur induit souvent maladies champignons et pourritures. Alors... J'ai évoqué ici bon nombre de plantes telles que les laitues, justement, ou autres, qui sont finalement des annuelles. Mais dans notre thématique, nous nous intéressons plutôt à des plantes qui sont euh, des plantes dites vivaces. On va voir ensemble quelques exemples de plantes vivaces que l'on consomme exclusivement pour leurs feuilles. Ou en grande partie pour leurs feuilles. La première est une des... Tête De fil et des exemples les plus connus qui soient, finalement, c'est le cerfeuil musqué, le Myris odorata. Cerfeuille musqué qui, attention, n'est pas réellement un cerfeuil à proprement parler, mais une plante de la, la même famille, euh, la famille des, des apiacées, donc euh, autrement dit, si vous préférez, des, des ombellifères, si vous utilisez une, une nomenclature plus ancienne. Donc ces euh, ombellifères, somme toutes sont caractérisés bien souvent par des enracinements puissants, par en règle générale également euh, des besoins qui sont moindres, des exigences moindres au niveau de la quantité de nutriments dans le sol, et c'est le cas par exemple du myris euh, odorata. Le myris odorata qui porte ce nom particulier du fait de l'odeur d'anéthole, donc une odeur anisée euh, qui rappelle celle de l'aneth, qui est assez forte, et d'ailleurs confère, cette anéthole confère pas mal de vertus médicinales à cette plante. Euh, qui est réputée, justement, euh, pour être, entre autres, digestive et également euh, apéritif. C'est le genre de plante qu il, euh, qui va, justement, lorsqu'elle est consommée crue, euh, va avoir pas mal d'intérêt et pas mal de euh, vertus. Attention qu'à la cuisson, en général, ses caractéristiques tendent à euh, disparaître. C'est une plante qui craint, en général, les excès d'eau, mais qui peut devenir assez imposante, comme vous le voyez ici. Plante qui... Aime bien sol frais, pas trop humide, avec de temps en temps quelques apports de matière organique. La récolte peut se faire euh, continue. Vous pouvez consommer toutes les parties aériennes en fait euh, de la plante, même si on va préférer ce feuillage alisé que je mentionnais précédemment. Ces plantes peuvent se consommer crutes ou cru ou cuit, sachez que vous pouvez également manger les racines, mais vous perdez alors le caractère vivace de la plante, les racines qui se consomment comme l'on consommerait des panais par exemple. C'est une plante qui usuellement, et d'ailleurs son nom de cerfeuille musquée vient de là, est utilisée et consommée comme on le ferait avec du cerfeuil, c'est-à-dire des soupes, des potages, des condiments ou autres. Elle peut également aromatiser des plats froids et vous pouvez la consommer donc simplement ciselée sur une salade de pommes de terre par exemple. Faites attention que vous allez avoir une odeur anisée et un goût anisé assez marqué mais qui disparaît comme toujours à la cuisson et en cuisant d'ailleurs, il va embaumer votre pièce et vous allez sentir cette agréable odeur d'anis ou désagréable si vous ne l'appréciez pas sachez qu'elle peut être utilisée également pour remplacer l'aneth dans euh, des préparations euh, cuites à la vapeur par exemple parce qu'alors l'odeur d'aneth va se transmettre aux aliments lorsqu'il y a une cuisson vapeur ce qui fonctionne bien pour euh, des cuissons vapeur ou papillotes de poisson par exemple. donc n'hésitez pas cette plante-là est un incontournable dont les graines lorsqu'elles ne sont pas encore euh, complètement mûres sont euh, très agréables un peu comme des bonbons à l'anis mais sans euh, le sucre donc euh, très intéressant également pour les euh, enfants et sans danger pour eux. Donc on parle souvent de cerfeuil musqué, du cerfeuil vivace et de son pendant l'alivèche ou le céleri perpétuel qui est en réalité donc euh, vivace. Donc c'est le Levisticum officinal, on lui donne également un autre nom h des montagnes. Donc la, cette plante, la, la hache des montagnes, se distingue de la hache des marais, ou connue sous le nom de céleri euh, Célérie cultivée, pardon. Donc la hache, la hache des montagnes, plante de la même famille à nouveau que la précédente, de la même famille également que le céleri plus classique. C'est une apiacée, donc une plante qui à la base est originaire des Alpes et des Pyrénées, hein, d'où son... D'où son nom, qui est, qui est connu. Hein. D'ailleurs, la culture était, était recommandée euh, déjà dans les propriétés agricoles de l'empereur Charlemagne. Hein, c'est dire si elle était, euh, était appréciée. Attention que son goût est euh, relativement fort. C'est une plante qui peut être euh, assez exigeante au niveau des, des risques de, de sécheresse. Hein. Un excès de sécheresse, c'est une catastrophe. Pour, euh, pour cette plante, donc ces dernières années ont été assez rudes, assez dures pour cette, euh, pour cette plante. Elle apprécie en général les sols lourds, plutôt argileux. Elle bénéficie des mêmes propriétés que, que les céléries au niveau alimentaire et également au niveau euh, gustatif. Donc c'est une plante qui est euh, finalement assez agréable. Attention que euh, toute la plante peut être. Consommer aussi bien donc la tige que les feuilles, les fleurs ou les graines. Éviter la racine qui est beaucoup trop forte et alors très désagréable. Il faut savoir que d'ailleurs les graines séchées et réduites en poudre sont euh, utilisées pour fabriquer le fameux sel de céleri qui n'est donc pas un sel de céleri mais un sel de livèche euh, que vous pourriez alors réaliser vous-même. Donc c'est quelque chose d'assez agréable. On va l'utiliser en petite quantité. Pour, et souvent en fin de cuisson pour aromatiser des euh, préparations. L'usage le plus commun de cette plante, c'est donc euh, par exemple pour on est en Belgique hein, pour les préparations type moules frites. Euh, cette plante est également connue pour aider à l'élimination de, des excès d'eau parce qu'elle est diurétique, donc faites tout de même attention. Donc à ne pas en abuser. Donc, ce sont les deux célébrités par lesquelles j'ai commencé, c'est-à-dire le cerfeuil et, et le céleri, euh, tous deux euh, plantes assez connues et que l'on retrouve dans la plupart des jardins à l'heure actuelle. On va maintenant arriver à des plantes peut-être moins, euh, moins connues dans, les fameux, dans nos fameux justement, euh, légumes feuilles pour cette, euh, cette première partie, avec... Entre autres, le kénopode Bon Henri, Kénopode Bon Henri, euh, Bonus Henricus, ou euh, parfois, euh, dans les ouvrages un peu plus récents, Blitom, comme nom de genre. Je l'avais déjà évoqué la semaine passée, ce kénopode, en tant que plante sauvage. Ici, on parle donc du kénopode Bon Henri. Kénopode Bon -Henri ou Blitom, selon les, selon les auteurs. Hein, attention à l'âge de votre ouvrage. Toujours bien vérifié, on l'appelle aussi Ansérine bonne Henri ou Herbe, Herbe finalement du, du Bon Henri. En fait, son nom, pour l'anecdote, elle vient du roi Henri IV. Je ne sais pas si, si vous êtes un peu au fait euh, de l'histoire des, des rois de France, mais donc euh, Henri IV a prêté son nom à cette plante parce qu'il aurait, Henri IV, contribué à découvrir l'importance de cette plante au niveau alimentaire et l'aurait en grande partie euh, popularisée. Donc, c'est une, une plante, euh, somme toute, euh, moins connue, mais connue peut-être. Plante qui reste un kénopode, qui a besoin d'un peu d'espace. Vous voyez que euh, lorsqu'on lui laisse les bonnes conditions, ce blithome peut devenir assez, euh, assez imposant. On lui préfère en général l'usage de, de jeunes pousses. Donc, c'est une plante qu'on va euh, tailler. Assez aisément. C'est une plante de la famille des kénopodes, donc il faut éviter de cultiver d'autres plantes de cette famille à sa proximité, notamment éviter les épinards, éviter les bêtes tout près du kénopode Bon Henri. Ce sont des plantes qui ne font pas spécialement bon ménage dans vos associations et comme elle est vivace, il faut bien évidemment le prendre en compte dans son installation puisqu'elle va rester au minimum 4-5 ans, voire plus si tout va bien. Euh, C'est une plante qui aime bien l'azote. Donc euh, il faut veiller à ce que le sol soit suffisamment riche en matière azotée, elle est indifférente pour tout ce qui est autres critères, faut attention tout de même aux sécheresses ces, de ces dernières années qui ne leur ont pas fait euh, beaucoup de bien, ce sont des plantes qui résistent très bien au froid à ce point de vue là, même aux situations ombragées euh, et même s'il y a des de l'eau qui viendrait à geler en son pied, euh, c'est une plante qui va malgré tout bien résister à ce genre de problème, donc c'est un légume qui est appréciable parce que franchement peu difficile, vous lui amenez de l'azote et c'est tout. Il résiste aux basses températures, son goût va rappeler celui des, des épinards, hein, épinards euh, qui sont finalement de, de, lointains, de lointains cousins. C'est une plante qui est, qui est agréable, qui est riche en minéraux, qui contient très peu d'acide oxalique, donc ça c'est également un avantage par rapport notamment euh, aux épinards que je mentionnais précédemment. Donc c'est un, un légume agréable. En général, on prend des jeunes pousses au printemps à 20 cm de haut, que vous allez cuire à la vapeur. Plus tard, quand la plante va se développer et va très vite, comme vous le voyez ici, euh, se mettre à fleurir et à également produire progressivement des, des graines, le, le plus simple alors, est encore de consommer simplement les feuilles, en général euh, les feuilles les plus jeunes, comme des épinards, et éventuellement vous enlevez la carde en question, qui peut s'avérer quelque peu fibreuse et que vous pourriez donc trouver désagréable. Pendant euh, votre repas, mais là bien évidemment c'est au goût et au gré de, de chacun. Donc le kénopode bon voilà, plante que vous pouvez mettre même en plein ombre, du moins qu'il y a suffisamment d'azote qui résiste au froid, qui résiste au vent, qui euh, craint un tout petit peu la sécheresse, mais sans plus. Donc honnêtement, n'hésitez pas. Le kénopode Bonhri est un allié de, de choix et plein de minéraux, plein de fer également, euh, et également riche en euh, protéines. Donc, une plante qu'on ne peut surtout pas euh, négliger dans, dans un jardin qui se veut jardin de vivace. Je reste dans les incontournables des jardins de vivace avec le brassica, les brassicas, les choux, les différentes variétés de, de choux que l'on nomme usuellement des kale. Donc... Euh, c'est une, une dénomination euh, voilà, qui nous vient d'outre-Atlantique, qui est revenue chez nous. En Belgique, on va avoir euh, d'autres noms. Et en fait, le, le mot Kell pour l'anecdote viendrait de Kell, euh, une appellation plutôt utilisée en, en Alsace-Lorraine. Donc euh, voilà, les, les Québécois l'appellent simplement le, les choux verts. Euh, et euh, en Belgique, euh, vous entendrez parfois euh, un nom qui nous vient des, des Pays-Bas, c'est-à-dire le, le Bouron-Cole, Donc euh, je pense que euh, les amateurs de la langue de Vondel comprennent là euh, son euh, origine, puisque c'est plutôt un chou fermier, un chou, un chou maraîcher. Euh, qui était à la base utilisé outre l'alimentation humaine, qui a été très souvent utilisée comme plante fourragère, donc pour nourrir le bétail, mais cela s'est fait tout simplement parce qu'on en a tiré profit d'autres choux annuels qui étaient souvent euh, plus productifs, mais également plus exigeants que nos, nos bourrons qui reviennent maintenant sur le devant de la scène, et force est de constater que dans leur... Euh, Composition. Ils ont des, des valeurs nutritionnelles très intéressantes euh, et très riches en bêta carotène, en vitamine K, en vitamine A, en vitamine C, en, en luthéine et en zéaxanthine. Et euh, outre donc euh, ces, ces pigments et autres euh, vitamines, on va également retrouver, comme dans beaucoup de choux, assez bien de calcium ce qui, euh, et de la vitamine C, ce qui en fait un légume euh, excellent pour la santé et pour également. Euh, la croissance. Alors il faut faire attention que ces plantes sont des plantes de la famille des brassicacées, donc elles sont sensibles bien souvent au même genre d'insectes que les autres brassicacées, notamment aux pierides. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que les pierides adorent les choux, notamment la pieride en question, c'est-à-dire la fameuse pieride du chou. Donc. Au niveau des exigences spécifiques, si vous voulez faire des cultures, on voit ici des, des cultures un peu plus intensives de, de différentes variétés de, de ce chou, de ce, ce bourron cole c'est qu'il faut pas mal de soufre. Heureusement, cette plante ayant un enracinement assez profond, elle descend à plus de 80 cm de profondeur, elle va souvent aller le chercher en profondeur. Mais il faut faire attention que le soufre est un élément chimique qui se lessive assez aisément en surface. Nous, nous avions évoqué cela dans une conférence intitulée « Des sols et des plantes » que je vous invite également à aller consulter puisqu'elle est disponible sur notre chaîne. Et en soufre, en phosphore et en potassium, ces deux derniers pouvant être amenés avec un apport euh, régulier de cendres en surface du sol. Euh, bien souvent, la plante vous indiquera les carences de façon euh, très visible par un changement de couleur du feuillage qui deviendra plutôt violacé, indiquant une carence en phosphore ou en potassium, voire bien souvent les deux. C'est une plante extrêmement résistante, avec un goût qui est assez fort. Certains vont également trouver que euh, en général les... les feuilles sont assez coriaces, c'est pour cela qu'on recommande souvent que le gel ait déjà eu une action sur la plante avant que l'on commence à les récolter. Alors, comme vous vous en doutez, puisque ce sont des plantes vivaces et qu'elles peuvent se développer euh, quasiment toute l'année, et vont produire des feuilles quasiment toute l'année, euh, une alternative simplement au gel c'est la congélation. Donc vous pouvez euh, congeler euh, après récolte les, les feuilles et vous pouvez ainsi ensuite euh, tout simplement les euh, consommer. Donc, on fait beaucoup de choses avec ces choux, hein, plein de préparations. Les, les usages sont, sont divers et variés il faut savoir que toute la plante se mange, aussi bien les feuilles que les fleurs, qui peuvent être consommées crues. Comme je dis, le goût de chou peut s'avérer désagréable pour euh, les moins. Euh, ceux qui, ceux qui apprécient du moins ces moins, euh, goûts assez, assez particuliers, c'est une plante qui dont on peut également consommer les, les jeunes fleurs crues, euh, jeunes fleurs jaunes qu que le plant va produire chaque année. Faites attention que si vous laissez le plant produire des fleurs, celui-ci va perdre beaucoup d'énergie dedans et donc il produira moins pendant toute une partie de l'année. Après la floraison, néanmoins, sur la, la, les tiges de ce chou, vous allez voir de nouveaux euh, bourgeons se, se développer, de nouvelles feuilles se développer, donc le plant va reprendre de plus belle. Donc, pas de crainte à avoir si euh, vous laissez monter en graines. Vous produirez juste un tout petit peu moins, mais le plant ne mourra pas pour autant. C'est une plante qui, qui, de toute façon, est très résistante et vous pouvez la garder pendant plusieurs années dans votre, dans votre parcelle. Sachez que vous pouvez également multiplier cette plante par des boutures en sectionnant simplement des morceaux euh, de tige que vous pouvez ensuite repiquer. Cette plante, en effet, se bouture très aisément. Alors, je ne saurais être exhaustif dans le, le nombre de, de variétés, finalement, de, de ces choux qui sont ouf, extrêmement nombreuses. Des choux qui, finalement, ont presque des, des variétés locales un petit peu partout, mais j'ai choisi ici de présenter les trois variétés les plus attrayantes, euh, trois variétés euh, qui sont assez aisées de culture. Vous avez tout d'abord celui qui est dit le kale frisé, le, le sabellica, le chou frisé, donc ce, ce chou est très facile de, de culture, comme vous le voyez très rapide. Hein. Ce sont des plants ici sur l'image, des plants âgés de quelques mois à peine, tant la, la croissance est rapide. Hein. Vous les, les semez en mars et vous pourrez déjà faire euh, les premières récoltes l'hiver même en, en quantité. C'est un chou qui est peut-être un peu plus fragile lorsqu'on le laisse monter en graines et qui est également sensible aux fortes chaleurs. Donc euh, faites attention tout de même que si la euh, chaleur devient trop importante, ce kale frisé risque de ne pas euh, très très bien survivre à ce, ce genre de, de conditions particulières. Néanmoins, c'est un, un chou finalement euh, agréable. Il est assez tendre, contrairement à d'autres choux qui deviennent plutôt euh, assez, assez coriaces en vieillissant, d'où une préférence pour cette... Euh, cette, cette variété qui, somme toute, est assez agréable. Donc, n'hésitez pas, le chou frisé, très facile à trouver, euh, variété très commune, que vous pouvez garder en place pendant 7 à 8 ans, euh, mais je vous conseille tout de même de le bouturer de temps en temps pour les rajeunir, parce qu'en vieillissant, ils produisent un petit peu moins. Euh, ça, euh, il faut le euh, rappeler. Alors, un autre kale qui est euh, particulièrement intéressant, euh, qui est une autre, euh, une autre variété, donc c'est ici ce qu'on appelle les, les, choux, euh, les choux palmiers, le, le chou kale euh, noir ou le kale lacinato, euh, c'est-à-dire euh, laciné, à feuilles, euh, comme vous le voyez, assez fines, qui ont tendance à s'enrouler euh, sur elles-mêmes et à présenter un aspect cloqué. Alors, certains euh, vous diront oh, mais on dirait qu'il a l'air malade mais en fait non euh, c'est même un, un chou qui est beaucoup plus résistant que, que d'autres variétés euh, à la sécheresse particulièrement et également à la transpiration donc autant le précédent comme je vous le disais faites attention un tout petit peu à la sécheresse autant celui-là dans des conditions plus sèches euh, il y a d'ailleurs une variété qui s'appelle noire de toscane euh, ce sont des, des variétés justement qui sont assez résistantes alors la, la croissance Verticale importante fait que ce chou euh, ressemble réellement à un palmier. En fait, vous cueillez toujours les feuilles les plus basses et vous montez progressivement. Chou qui peut facilement atteindre 1,50 m, voire 2 mètres de haut, ce qui en fait un chou quand même de, de taille non négligeable. Il va donc également prodiguer un ombrage. Mais je trouve ce chou assez intéressant parce que en plus. De son intérêt gustatif, de sa résistance à la sécheresse, il, a un, il est un apport esthétique qui n'est jamais à négliger. Hein, Rappelons-le, dans un jardin, l'esthétisme est également quelque chose d'assez important. Alors, un troisième chou qu'il est facile de, de cultiver, de, de se procurer, c'est le, le quai, le, le, le chou rouge. De Russie, ou chou frisé euh, sibérien, qui n'est pas à proprement parler un, un chou euh, au sens strict, puisque vous voyez hein, au niveau du nom latin, c'est Brassica napus, en fait c'est un colza. C'est un colza dont euh, l'origine serait apparemment une hybridation entre un chou potager et un navet ou un chou euh, d'origine asiatique. Donc c'est assez amusant pour l'anecdote, ce qui fait d'ailleurs qu'il peut, euh, sachez-le, euh, s'hybrider. On fait ce qu'on appelle un rétrocroisement et il peut alors s'hybrider avec euh, outre le colza que je mentionnais précédemment, euh, d'autres choux. Faites attention qu'il s'hybride également, lui, euh, avec les, euh, les rutabaga. Des légumes qu'on a aussi un petit peu perdus, qu'on a un tout petit peu oubliés euh, avec le temps. Hein, rutabaga, les, les fameux choux suédois, comme certains se plaisent à, à les appeler. Le, le chou rouge de Russie est un chou très rustique, très, euh, très résistant. Donc euh, c'est un, un chou qui va euh, pouvoir se, se développer véritablement dans des, des conditions très sèches ou très humides. Euh, il est également euh, résistant au froid. Il peut survivre jusqu'à moins 15, voire moins 20, donc un chou extrêmement résistant. Son appellation de, de Russie ou de ou Sibérien euh, n'est pas anodine. C'est un chou qui est très très riche en pigments. D'ailleurs, il a, comme vous le voyez sur cette illustration, un feuillage qui tend à rougir après une bonne gelée. Euh, ça en fait un chou qui est plein finalement de, de pigments. Euh, qui est plein d'antioxydants également, donc il est très très intéressant d'intégrer ce, ce chou. Faites attention hein, pour tous ces choux, si vous voulez garantir le maintien de votre variété, vous devez euh, soit polliniser à la main, et euh, c'est une charge de travail qui peut être assez lourde, soit bouturer. Je tiens à rappeler, ce sont des variétés de choux qui se multiplient, qui se bouturent euh, très facilement. J'ai choisi ici de, de présenter ces trois choux-là qui sont un tout petit peu moins connus, mais qui sont assez faciles à, à trouver tout en étant intéressants pour des, des critères que je viens de mentionner d'adaptabilité et de résistance à différentes conditions de, de station. Mais sachez qu'il existe également un autre chou qui, était, qui est assez populaire, c'est le, le chou de, de Dobanton, qui est un, un chou vivace, également assez commun, racémeux, gustativement parlant peut-être moins intéressant, et qui doit en fait son nom à, à Louis-Jean-Marie Dobanton, donc euh, Louis-Jean-Marie Daubenton, euh, naturaliste, euh, très connu euh, pour ceci. Hein, parmi vous, des, des amateurs justement euh, du naturalisme, vous avez certainement déjà entendu parler de, de ce, ce Daubenton hein, qui a entre autres contribué à introduire le Mérinos en France, euh, par exemple. Donc, euh, voilà, et qui, qui a bénéficié, qui a eu le droit à... De nombreux, de nombreux honneurs. Hein. il y, a, il y a même une chauve-souris qui porte, qui porte son nom. donc, voilà pour l'anecdote. il y a donc un lien entre le chou euh, dodo benton et le murin dodo benton. c'est euh, louis-jean-marie dodo en fait tout simplement qui a été donc directeur du musée euh, national d'histoire naturelle en france. comme quoi, voilà. une autre plante vivace. Qui a été très oublié des jardins, euh, qui a été oublié parce qu'on lui a donné véritablement une, une mauvaise réputation de par sa teneur en, en acide oxalique. C'est l'oseille cultivée, donc Rumex, rumex acetosa. Donc euh, l'oseille était un, un légume très populaire anciennement et. Qui, qui était euh, justement euh, bien souvent intégré dans, dans différentes préparations euh, de la viande ou du, du poisson, euh, du poisson notamment. Donc c'est une plante qui euh, se distingue des autres euh, des autres oseilles par euh, justement son son caractère euh, cultivé bien souvent, il aime bien en général le soleil, il, euh, la plante normalement est dioïque, hein, donc vous avez des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des, des plants différents, mais chez la forme cultivée on va parfois avoir des, des plants qui sont un tout petit peu monoïques, donc euh, avec des inflorescences qui sont à la fois mâles et, et femelles. Donc c'est une euh, oseille qui elle, est qui est comestible, qui a un autre avantage, c'est qu'elle n'a pas tendance à trop facilement se disséminer dans le jardin. D'autant plus si vous avez un plan qui est exclusivement mâle, vous n'aurez pas alors de euh, souci d'invasion, puisqu'il ne produira tout simplement pas de, de graines. C'est une plante de la famille des, des renoués, donc des, des Polygonacées, avec, euh, comme vous voyez donc ici, des, des jolies fleurs hein, que je trouve esthétiquement. Euh, pas, pas désagréable d'avoir un petit parterre avec quelques oseilles qui peuvent éventuellement fleurir. Elle aime bien l'eau, des sols lourds, des sols tassés, des sols compacts même. Donc euh, c'est là peut-être une contrainte que vous pouvez avoir au, au jardin, c'est de, de ne pas réussir finalement à avoir suffisamment de, de compaction du sol et de rétention d'eau que pour pouvoir faire ce se développer cette, cette plante. Plante qui d'ailleurs, euh, faites attention, hein, si vous récoltez les feuilles, tâche euh, les feuilles de rumex, elles étaient utilisées anciennement pour notamment teindre la laine. Donc euh, faites tout de même attention à ce, ce point de vue-là. Alors, c'est une plante qui est riche en acide oxalique, je l'ai mentionné. En général, une cuisson à l'eau permet d'éliminer en grande partie euh, euh, l'acide oxalique. Faites attention parce que à forte dose vous risqueriez de former en de, dovorin de, de des, des oxalates qui peuvent poser pas mal de soucis et des oxalates qui sont également peu digestes. Donc si vous consommez pas mal de, de calcium en plus, ça va vous poser des, des irritations ou autres de, de vos intestins. Donc faites attention, renseignez-vous toujours sur votre votre santé. Donc l'acide ascorbique est déjà aussi très intéressant, a hein, pas mal de, de vitamines, ce qui donne d'ailleurs ce goût un peu sûr euh, à la plante. Et euh, faites attention, il est légèrement laxatif. On l'utilise dans plein de cas de figure, dans, dans les soupes principalement, ou, ou dans des sauces, ou encore crues en salade, mais faites attention alors aux problèmes que j'ai mentionnés. Alors, elle relève en général la, la saveur de, de poisson, et l'autre intérêt c'est que sa teneur en acide était que lorsque vous la cuisez avec le poisson, vous allez dissoudre ou, ou du moins amollir certaines euh, les fines arêtes. Ce qui euh, réduit déjà un petit peu le, le risque d'accident malencontreux suite à la consommation de poissons euh, qui avaient, en général, qui, qui ont en général beaucoup justement de, de très fines arêtes. Il faut savoir que ça reste tout de même euh, accidentogène. Alors, L'intérêt c'est qu'alors en plus le calcium que vous aviez dans, dans les arêtes va être euh, en partie solubilisé, une partie va faire former des oxalates, une autre partie va rester sous une forme plus facile à absorber pour vous. Et donc euh, vous pourrez absorber plus aisément le, le calcium. Alors petite astuce, faites tout de même attention euh, quand vous le venez à le cuire, jamais en casserole de fonte. Parce que dans une casserole en fonte, l'acide oxalique réagit avec le fer et les feuilles noircissent et ça donne un goût très très désagréable. Pas non plus d'aluminium, sinon vous risqueriez euh, d'ingérer euh, des quantités parfois importantes d'aluminium, ce qui peut s'avérer toxique. Pour votre information personnelle, sachez également qu'on peut utiliser les graines. Mais alors il faut un plan femelle et vous devez les nettoyer et enlever en fait l'enveloppe. Qui recouvrent euh, les graines. On peut les moudre et on peut en ajouter en petite quantité dans des bouillies, des galettes ou du pain pour amener des protéines, fa faciliter la, la palification. C'est une plante qui voilà, est assez euh, commune. Était assez commune en tout cas, surtout dans les sols un tout petit peu acides, mais est devenue de plus en plus considérée comme une adventice et a été arrachée. Ce qui est dommage parce que en, petite, en petite quantité, elles peuvent vraiment former des préparations assez assez typiques et assez particulières. Faites tout de même attention au point de vue de la forme des feuilles à ne pas la confondre avec un gouet par exemple. Vous euh, auriez là quelques, quelques problèmes. À, à la consommation, à l'ingestion. Donc, vous voyez ici, on évoque quelques, quelques légumes feuilles qui peuvent véritablement se, se consommer tout au long de l'année. D'ailleurs, hein, que ce soit donc euh, nos fameuses euh, finalement, nos fameux cerfeuilles, notre livèche, notre, notre kénopode Bon Henri, ou euh, nos choux ainsi que notre notre oseille tant qu'il ne gèle pas de trop ou même après le gel dans le cas des choux vous pourrez donc toujours en consommer donc ce sont des légumes à disposition permanente à côté de ça vous avez des légumes vivaces mais dont on ne consomme finalement qu'une partie euh, qu'une partie de l'année quand celles ci sont disponibles alors je signale que dans les vivaces fleurs j'ai déjà mentionné quelques quelques exemples dans une euh, conférence précédente qui était euh, justement euh, consacrée aux, aux, plantes, aux plantes à fleurs, et on avait évoqué entre autres les dahlias ou encore celle qui est illustrée ici euh, sur euh, l'image que vous avez maintenant à l'écran, c'est-à-dire euh, les hémérocales, qui sont d'ailleurs en pleine période de floraison, les hémérocales ou lisses d'un jour, hein, dont on consomme les fleurs crues ou encore euh, cuites. Alors, sans rentrer dans le, dans le détail des exigences de nos, de nos vivaces fleurs, hein. il faut savoir que euh, lorsque l'on consomme des plantes à fleurs, bien souvent, si elles sont vivaces, la floraison n'arrive pas la première année. Donc vous allez avoir quelques euh, contraintes techniques quant à la possibilité de consommer ces fleurs. C'est tout d'abord du temps. Donc vous allez devoir installer la plante et attendre parfois quelques années avant que celle-ci ne soit mature sexuellement et ne commence donc à fleurir ou à produire en tout cas suffisamment de fleurs que pour. Euh, arriver à une production euh, correcte. Euh, sachez que pour accélérer euh, finalement cette euh, arrivée à un état de, de vigueur suffisant que pour fleurir, vous, vous pouvez tout d'abord veiller à ce que la plante et tout au long de l'année suffisamment de, de nutriments euh, éviter les, les stress pendant ces, ces années et vous pouvez éventuellement lorsque la plante va va commencer par exemple dans le cas ici qui nous intéresse des artichauts des cardons ils peuvent fleurir l'année qui suit le, le semis mais dans ces cas là la plante sera souvent moins vigoureuse elle va donc produire que peu de fleurs des fleurs petites qui ne sont pas souvent euh, suffisantes que pour assurer une consommation euh, dans un cadre plus, plus personnel donc on peut se, somme toute se poser euh, véritablement l'intérêt d'avoir euh, une récolte la première année. Donc ce que je vous recommande, c'est lorsque vous voyez les boutons floraux qui commencent à se développer, de les sectionner tout simplement et de ne pas euh, les consommer mais d'attendre une année de plus euh, pour commencer la, la consommation. Votre plante aura le temps de faire une belle rosette, de bien se développer ainsi et comme ça vous aurez, une meilleure production l'année d'après. Il faut savoir hein, quand on fait des cultures de plantes vivaces savoir se projeter dans le temps et parfois faire des sacrifices une année afin de garantir des résultats qui seront bien plus élevés euh, l'année euh, suivante voire les années suivantes. Attention, hein, l'artichaut, le, le, le cardon est une plante. Euh, en fait, artichaut et cardon sont la, la même plante, le, mais de, des espèces ou des variétés. Euh, de la même espèce, mais de variétés donc euh, différentes. Il faut savoir que là où l'artichaut a vraiment été sélectionné pour la consommation de sa fleur, le cardon que vous voyez ici, qui est lui euh, beaucoup plus épineux, euh, n'est pas euh, à proprement parler euh, consommé pour sa, sa fleur, mais plutôt pour sa, sa feuille. Il est alors traité plutôt en légumes-feuille. Donc, ce sont des, des plantes de la famille des, des astéracées, avec très très jolies fleurs. On est en pleine saison de la floraison. N'hésitez pas à laisser de temps en temps un, un cardon ou un artichaut fleurir. Ça attire une multitude d'insectes. C'est un endroit euh, magnifique pour faire des, des très très belles observations de, de bourdons particulièrement, euh, ou de, de différentes espèces de papillons. Donc n'hésitez pas. Faites attention qu'après la, la fleur vient le, le fruit, qui, qui est l'infructescence qui vont donc donner des graines portées par une aigrette de soie qui peuvent se ressemer. Et dans ces cas-là, comme beaucoup de plantes vivaces, il peut arriver que la plante se ressème abondamment et ne devienne alors quelque peu envahissante. C'est une plante qui aime bien un sol frais, en général profond. Qui est bien travaillé. Donc, la première année, il faut veiller à ce que vous ayez décompacté celui-ci. Euh, fumer, donc, amener une fumure régulière ne peut pas faire de tort à cette, à cette plante, euh, donc riche en matière organique tous les ans déposer des, des feuilles mortes euh, ou un compost déjà bien décomposé, voire même des excréments animaux si, si vous en avez la, la possibilité. Euh, veillez également à ce que cette plante ait une bonne exposition ensoleillée, parce qu'il craigne euh, les gelées, donc il faut un sol qui ne soit pas gorgé d'eau en hiver, il faut un sol qui soit bien exposé, qui se réchauffe euh, rapidement. Une situation de pente peut être euh, assez avantageuse pour cette plante, donc euh, n'hésitez pas. Vous pouvez éventuellement en hiver le protéger en le recouvrant d'un voile léger euh, ou en, le, en protégeant le, le cœur de la plante avec des feuilles mortes, par exemple, ou de la paille, afin d'éviter qu'il ne gèle complètement. Faites attention également à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre jusqu'au cœur de euh, la plante en question. Elle ne pourrait en mourir. Euh, ce sont des plantes dont on consomme alors soit les fleurs non matures, ou plutôt les, les inflorescences dans leur ensemble non, non matures, de même que euh, la base des bractées ici. Et euh, les fleurs, on, on élimine ce que certains appellent la barbe, ce que d'autres appellent le foin, qui sont en fait ce, que, ce qui deviendra plus tard le papus, c'est-à-dire l'aigrette de soie qui portera les, les graines. Donc on consomme en, en réalité ce que euh, certains appellent le, le cœur euh, de l'artichaut. Tout simplement. Alors il faut savoir que par, par contre, hein, chez le cardon c'est tout à fait différent, on va consommer les, les cardes. Donc les cardes ce sont quoi Ce sont les, les nervures principales, en règle générale, donc la, la nervure principale de, de la feuille, on l'appelle aussi les côtes de, de cardon, qui ont un goût similaire à celui de l'artichaut, hein, c'est lié à la teneur en inuline, un sucre euh, qui n'influe pas sur l'indice glycémique mais qui euh, va par contre donner un, un goût particulier. Faites attention euh, pour ceux qui ne sont pas habitués, en général l'induline peut être légèrement laxative et peut également euh, faciliter euh, les flatulences. Afin d'éviter ces désagréments sonores et/ou olfactifs que vous pourriez avoir suite à la consommation de ce genre de plante, on conseille bien souvent d'intégrer à l'eau de, de cuisson quelques feuilles de, de sauge qui vont avoir un effet carminatif, c'est-à-dire qui vont limiter la formation de gaz sans pour autant donner un goût désagréable à la, la plante. Donc pour les côtes de cardon, on va dire ça comme ça, donc pour les fameuses cardes de ces plantes, les, les usages sont, sont divers et variés. Alors, vous connaissez bien évidemment les, les têtes d'artichauts qui sont consommées soit de crues, euh, soit de cuites. Euh, il y a en effet de, de multiples recettes, tout dépend euh, du type d'artichaut également que vous, que vous consommez. Hein, puisque il faut savoir que euh, du côté des, des artichauts, il y a deux grandes, deux grandes catégories hein. vous avez les, les, artichauts, les artichauts blancs. C'est ceux que l'on va en règle générale cultiver chez nous, car ils sont un peu plus gros, ils sont également plus résistants au froid. La variété typique d'artichaut blanc, c'est le, le camus de Bretagne, ou encore, qui se développe très très bien chez nous. Ou encore le, le vert de laon. Mais. Voilà, le, le vert de laon, il est un petit peu plus petit que le, que le camus, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Donc, certains le disent plus rustique que le que le Camus de Bretagne. Néanmoins, euh, j'ai eu de meilleurs résultats avec le Camus de Bretagne qu'avec le, le vert de Laon. Comme quoi, c'est assez euh, aléatoire. Ce sont deux variétés, donc le, le ver de Laon et le, le Camus de Bretagne, que je vous recommande en termes d'artichaut blanc Par contre, pour les, les autres, les artichauts plus petits, ce sont plutôt des artichauts provençaux, donc qui ont besoin de, de conditions assez chaudes, telles que donc ce sont des artichauts dits violets, comme le, le violet de Provence ou bouquet, qui sont des petits artichauts qui vont se récolter assez tôt deux fois par an donc de mars à mai et puis la deuxième floraison de septembre à décembre mais euh, et qu'on peut alors consommer poivrade quand ils sont jeunes donc crus mais ce sont des, des artichauts qui sont beaucoup plus délicats dans la culture euh, chez nous. Pourquoi Parce qu'ils sont très 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 sensibles au, au gelé hivernal et au, au froid euh, de l'hiver. Ce qui est dommage hein, parce que voilà, l'artichaut ça reste un légume, un légume de qualité avec beaucoup de, de fibres, beaucoup de, de vitamine C, beaucoup de vitamine B3. Ce qui n'est quand même pas, pas négligeable, c'est L'artichaut, qui est une, un légume donc euh, riche également en composés antioxydants, et des études sont, sembleraient indiquer qu'il a également un rôle dans la, la prévention du diabète de type 2, donc quelque chose qui n'est pas euh, négligeable également. Mais voilà. En plus, c'est également une source de minéraux tels que le magnésium, le, le, le phosphore ou le potassium, donc des légumes qui sont de, de qualité. Euh, quant au, au cardon, lui, eh bien, on consomme donc comme je le disais la, la carde. Il n'y a pas vraiment de, de variété typique, si je puis dire, de, de cardon que, que je puisse vous, vous recommander. Éventuellement, le, le, le blanc, le cardon blanc amélioré, est peut-être un, un des plus connus. Mais euh, disons que la plupart des cardons se développent bien dans, dans nos régions si l'on respecte les, les, les conditions que j'ai que, que mentionnées et alors on est sur un légume feuille, on n'est plus sur un légume fleur, puisque la, la fleur du cardon n'est pas, pas consommée, car il n'y a quasiment rien à manger dedans. Euh, la base des bractées, qui sont des bractées coriaces épineuses, euh, est trop ferme que pour présenter un intérêt, et les, les inflorescences elles-mêmes ne contiennent quasiment pas euh, d'autres euh, sources de, de nourriture. Donc en général, les, les cardons, ben, vous le voyez ici, on les, on les cuit. Euh, certains les consomment crus quand elles sont toutes jeunes. Idéalement, donc, comme je le disais, vous les faites blanchir, Déjà sur le plan, c'est-à-dire ici vous diminuez la quantité de chlorophylle en recouvrant la base de la feuille euh, d'un tissu euh, opaque euh, ou encore d'un sac en papier tout simplement, euh, rien qui soit en plastique pour ne pas empêcher la feuille bien évidemment de respirer sans quoi elle viendrait à pourrir, euh, mais certains euh, disent que ce n'a d'intérêt que pour... Euh, Éliminer l'amertume la principalement et que pour ce faire, simplement cuire dans plusieurs eaux peut donner le, le même effet. Alors, le, le cardon, voilà, il se récolte tout au long de, de sa croissance, tout au long de ce, ce développement. Et petite anecdote, hein, on peut également utiliser le cardon pour faire un, un coagulant, une alternative en fait à la présure pour euh, faire du fromage, pour fabriquer du. Pour fabriquer du, du fromage donc c'est quelque chose qui se consomme également donc c'est ces cartes une fois cuites coupées en morceaux que vous pouvez éventuellement préparer au gratin ou euh, un peu donc de façon comparable à des, des bêtes ou des blettes mais avec un, un goût un peu sucré un goût d'artichaut euh, qui n'est pas, pas désagréable. Le, je remets un peu ici, j'insiste un peu sur le cardon parce que c'est un légume qui est un tout petit peu oublié, qui est également utilisé en, dans les effets chassés charmés puisqu'il attire les pucerons sans pour autant que ceux-ci lui portent préjudice. Et vous aurez tôt fait sur cette plante de voir ensuite arriver une multitude euh, d'autres insectes consommateurs de pucerons. Donc il peut être intéressant dans le cadre d'un réservoir écologique. Donc euh, quand on, on évoquait cela. Et euh, tout ce qui n'est pas consommé, si vous laissez le cardon fleurir, euh, vous bénéficiez également d'un aspect esthétique qui n'est pas euh, négligeable, d'un aspect euh, nectarifère et pollinifère qui n'est également pas euh, négligeable. Donc je voulais ici euh, commencer euh, cette première partie en, en introduisant vraiment euh, quelques euh, légumes qui sont euh, vraiment des, des classiques et évoquer ainsi euh, justement des des plantes des légumes qui sont ici des légumes feuilles ou encore des euh, légumes ici un légume fleur euh, qui sont intéressants. je n'ai pas évoqué par exemple les dahlia hein, qui sont également des légumes dont on consomme des plantes dont on consomme les fleurs et qui peuvent alors être considérés comme des, des légumes au sens, euh, sens culinaire euh, euh, du terme. mais nous avons déjà évoqué ces, euh, ces plantes. nous avons déjà évoqué ces plantes dans une, dans une conférence euh, précédente. Donc, voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, des questions. Donc euh, aujourd'hui, on a été un petit peu plus vite que l'habitude puisque vous n'avez pas posé beaucoup de, de questions. N'hésitez pas à euh, poser vos questions via le, le, le chat, euh, le chat en direct. Sachez que de toute façon, si vous regardez cette conférence en, en différé, en, si vous regardez cette conférence en, en différé, il vous est également possible de poser vos questions à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur euh, votre écran, c'est-à-dire yves.skynet.be. Vous pouvez également poser vos questions directement dans l'espace commentaire en dessous de la euh, vidéo. Euh, cela permettra ainsi à chacun de voir euh, vos questions et également d'y voir euh, les réponses. Nous veillons bien évidemment à ce que euh, chacune des questions bénéficie d'une euh, réponse. Je vous signale également que les bains de, Nous sommes toujours en pleine saison de bains de nature. Nombre d'entre eux commencent à être complets, mais il reste encore des places pour euh, nombre d'entre eux. Vous pouvez voir euh, les bains de nature directement sur le site des Cercles, euh, cercles des Naturalistes de Belgique à l'adresse qui s'affiche maintenant sur euh, votre écran donc cercle-naturaliste.be vous allez voir euh, donc les bains de nature pourquoi je vous parle des bains de nature eh bien parce que euh, sachez que euh, il y a un bain de nature spécial qui s'est rajouté qui n'est pas dans les publications papier pour le moment mais qui s'est rajouté un peu à la dernière minute à la demande euh, de qui s'est faite justement de faire une activité euh, et un bain de nature plus particulièrement sur justement euh, la, une thématique permaculturelle. Et donc sachez que euh, si vous regardez dans, dans, les, dans les bains de nature, si justement euh, vous cherchez à, à rejoindre... Euh, le bain de nature, et si le, la thématique de la permaculture euh, vous intéresse, il y a le bain de nature numéro 195, approche euh, de la permaculture en partant de, de rien, qui a lieu le euh, mercredi 14 juillet, jour de la fête euh, nationale française euh, pour... Euh nos amis euh, français qui, qui nous écoutent, donc euh, approche de la permaculture en partant de rien, qui se déroule à Épinois dans la région donc, euh, de Binche, dont euh, l'objectif de, de ce bain de nature est donc sur base d'identification des plantes et de l'observation du terrain, de, de réfléchir un peu aux aspects euh, d'aménagement de, de parcelles, de, de planification de culture et autres. Donc beaucoup d'observations euh, dans le... Courant de cette, de cette journée, dans cette optique de s'adapter à la station et non euh, la situation inverse. Donc euh, n'hésitez pas, ce euh, de nature, le numéro 195, que vous savez retrouver sur l'adresse des Cercles Naturistes de, de Belgique, il reste des, des places, euh, quelques places d'ici mardi, euh, n'hésitez pas. Alors, Bien Évidemment, quand les artichauts ont fleuri, il faut les retailler. Effectivement, je, je vois ici votre, euh, votre question. Euh, quand, euh, en général, le, nous taillons les artichauts avant même qu'ils fleurissent euh, d'ailleurs, puisque nous consommons l'inflorescence. Si vous laissez le bouton floral, les boutons floraux, en fait, l'inflorescence s'épanouir, elle n'est plus propre à la consommation. Donc vous devez la consommer avant qu'elle ne fleurisse et ce faisant, vous taillez par la même occasion. Si les artichauts ont fleuri, si vous ne voulez pas qu'ils s'épuisent, on recommande bien souvent de les tailler. Pourquoi Parce qu'une plante qui passe énormément de temps à justement envoyer de l'énergie dans son, dans son inflorescence ne se développe plus et perd donc en, en réserve. Donc on peut euh, les tailler pour euh, limiter cette, euh, cet effet. Sachez également qu'il en est de même pour les cardons, bien que les cardons soient eux moins sensibles à la floraison, ce qui les épuise moins, donc euh, ce qui a un, un impact moindre sur, euh, sur la plante. L'artichaut en général envoie beaucoup d'énergie dans son inflorescence. Donc en général, on peut laisser un maximum, je tiens à tout de même à préciser pour ceux qui voudraient avoir leurs propres graines, d'un tiers des, des fleurs. Donc si vous avez. Une dizaine, une dizaine de fleurs, vous pouvez tout de même en laisser trois, deux ou trois sur la plante, les laisser faire leur, euh, leurs graines, et ensuite récupérer celle ci en sectionnant à nouveau l'inflorescence avant que euh, la fleur ne se soit complètement desséchée, sans quoi le vent aura tout fait de disséminer les graines avant vous. Voilà, je ne sais pas s'il si, y a d'autres questions. De toute façon, sachez que cette thématique de réussir ces cultures et des plantes, euh, Justement, euh, vivace n est, n est, est loin d'être terminé. Nous n'avons pas encore abordé tous les aspects de, de, plantes, de plantes vivaces. Nous avons abordé juste une petite partie, quelques légumes feuilles et quelques légumes et, un, et deux légumes plutôt florifère, mais euh, nous continuons la, la semaine prochaine euh, la thématique de, de réussir ces cultures. Donc euh, ici notre légume se trouve entre deux éternités. Donc les légumes vivaces partie 2 le vendredi euh, 17 juillet euh, 2020 à 19h05. Euh, N'hésitez pas, euh, soyez nombreux. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo si vous l'avez euh, si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas euh, également à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Ne manquez et aucune de nos vidéos à activer la petite cloche en dessous de la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et en plus ça nous permet d'être beaucoup plus visible sur internet plus nous avons de j'aime sur les, les vidéos sachez que euh, vous allez euh, d'ici quelques instants d'ailleurs sur la chaîne déjà pouvoir voir la, la liste des prochaines conférences jusque fin euh, juillet donc les conférences de la semaine prochaine et des deux semaines qui euh, Suivent. Euh, alors, je précise qu'il n'y a malheureusement pas de, de PDF pour, pour les, la conférence ici qui, se, qui, qui est disponible. Euh, néanmoins, sachez que euh, ces conférences, et cette conférence en particulier, est l'extrait d'une série de est extraite d'une série d'initiations justement au jardinage euh, permaculturel, euh, si tout va bien, lorsque les, qui reprendront lorsque les conditions seront meilleures. Si vous euh, êtes intéressé justement par ces, cette thématique et alors bénéficiez éventuellement de, de notes euh, véritablement, euh, vous trouverez toutes les informations sur l'adresse des cercles des naturalistes de Belgique. N'hésitez pas à euh, vous inscrire tout simplement à la mailing list, voire même devenir membre des cercles des naturalistes de Belgique si ce n'est pas le cas, puisque euh, ces publications euh, et ces Informations sur nos activités sur la permaculture sont disponibles sur le site des Cercles des de, de Belgique ainsi que dans le trimestriel de l'association qui se nomme L'Érable et dont vous bénéficiez lorsque vous devenez membre euh, de euh, l'association pour une somme euh, modique de euh, seulement 10 euros par personne et par an ou 15 euros euh, par famille. Et c'est possible en ligne. Voilà, je vous remercie toutes et tous euh, d'être venus si nombreux, nombreuses. Pour suivre cette conférence. Je remercie également celles et ceux qui suivent cette conférence en euh, différé. Je sais que vous êtes nombreux. Euh... Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, un très bon week-end et une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous sans faute la euh, semaine prochaine pour notre conférence, la deuxième partie de cette conférence sur les légumes vivaces. Donc notre légume se trouve entre deux éternités dans la thématique de réussir ses cultures. Les légumes vivaces, partie 2, le vendredi 17 juillet 2020 à 19h05. Merci à toutes et à tous. En espérant que tout aille pour le mieux dans vos cultures, je vous dis à très bientôt.